Let me tell you a story about a girl and a boy. He fell in love with his best friend. When she's around, he feels nothing but joy. But she was already broken, and it made her blind, 'cause she can never believe that love would ever treat her right. Well, did you know they loved you? Or were you not aware? You're the smile on my face, and I ain't going nowhere. Eh ben, parcours professionnel, j'ai commencé 2 ans d'apprentissage chez Sylvain Dupont. Là, je sais bien, j'ai commencé par le début, j'ai tout appris. Des bourrages, pour entraînement. Il m'a fait débuter, j'ai gagné ma première sous ses couleurs. Bien, bon parcours. Après, j'ai eu une proposition par Loïc Groussard à Nantes pour travailler là-bas. Et puis j'ai dit, allez, c'est l'occasion, on va monter d'autres chevaux, on va voir autre chose. J'ai été 1 an. Là, j'ai gagné beaucoup de courses, j'ai couru beaucoup, j'ai gagné des courses, et puis ça m'a poussé pour l'avenir. Après, je suis allé chez Jean-Luc hier soir chercher un jockey monté, et puis ça s'est vraiment bien passé. J'y suis resté 5 ans et demi, j'ai monté des bons chevaux, on a perfectionné ma façon de monter, parce que bon, on a tous, faut évoluer. Et puis, ça a été pour moi, ça m'a vraiment donné un bon coup de pouce pour l'avenir, quoi. Après, j'ai fait mon temps là-bas, j'ai voulu voir autre chose encore un petit peu. L'attelage, j'ai voulu faire, donc je suis allé chez Laurent Brivard. J'ai été un été durant 6 mois. Là, c'est pareil, j'ai beaucoup attelé, couru aussi. Je le remercie, il a bien joué le jeu. Je me suis fait plaisir, bon, j'ai pas la classe encore à l'attelage, mais ça m'a fait du bien, ça m'a aidé. Et puis après l'hiver arrivait, gros bois, j'ai dit allez, c'est peut-être encore la dernière occasion de changer. J'ai trouvé Louis Baudron, cherchait quelqu'un, donc j'y suis allé 4 mois. On a travaillé ensemble, ça s'est bien passé, l'hiver se terminait. Les chevaux sont repartis à la campagne et puis moi, au bout d'un moment, j'ai dit de toute façon, il va falloir faire quelque chose. J'ai entrepris de m'installer, donc je suis arrivé là aujourd'hui. C'est quoi l'élément déclencheur de... Ma carrière de jockey, là je stagnais, quoi. Bon, je montais toujours régulièrement les chevaux parisiens, mais bon, j'étais en déclin. J'ai dit de toute façon, je vais plus évoluer maintenant. Ma seule chance d'évoluer maintenant, c'est plus en tant que entraîneur, oui et non, quoi. Mais j'ai dit de toute façon, en tant que jockey, je me voyais pas évoluer plus, quoi. De toute façon, j'étais arrivé au bout. Donc j'ai dit de toute façon, quitte à essayer quelque chose, on va essayer de s'installer. J'avais passé mon stage d'entraîneur 1 an auparavant, ça fait 1 an que je l'ai, et puis là je viens de m'installer seulement là, il y a 4 mois. Donc, on rentre dans la bonne période, il y a la province, j'ai pas des chevaux de Paris, on essaie de se lancer gentiment, quoi. Je vous demanderai de pas filmer la demeure, là on l'a pas déclaré encore. Je te rappellerai quand même. Alexandre Dessin, si tu nous regardes. À 24 ans, c'est pas un pari osé de se lancer comme ça dans le métier? C'est sûr, c'est jeune, après j'ai fait le tour de pas mal de choses, de toute façon on n'en a jamais assez appris, hein. On en apprend tout le temps, on peut toujours faire plein de choses, retourner ailleurs, à droite, à gauche et tout, mais je sais pas, je pensais que c'était le bon moment et puis j'en avais envie surtout, hein. Donc, on entend tout le monde dire, dans 5 ans, il n'y a plus de course en France et tout. Moi, je suis mal placé pour savoir ce qui se passe. On ne sait pas, on subit, on suit. Et puis, on essaye, on verra bien. Et puis, si dans 5 ans, il faut arrêter, on arrêtera. On va suivre le mouvement et puis on verra en temps voulu ce qu'on va nous proposer et puis ce qu'il faudra faire, quoi. T'as plus une âme d'entraîneur alors que de jockey. Ah ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on me reproche un peu. Hein. C'est en tant que quand j'étais jockey, je monte trop comme un entraîneur, quoi. Je pense trop au cheval, pas assez à l'argent.
Ça a toujours été ma façon de monter. Penser à la carrière du cheval avant tout. Après, on a fait des erreurs, on a fait mal à certains chevaux, comme tout le monde l'a fait. Mais ouais, c'est plus l'âme d'un entraîneur que jockey. Ouais. Il ne faut pas non plus arrêter la carrière de jockey. Il y a trop d'argent en jeu. Pour moi, ça m'aide financièrement à la fin du mois. Et puis, tout d'un coup, on se met à monter un bon cheval, on ne sait pas pourquoi, et puis il te lance, et puis voilà. Ça peut même jouer sur ma carrière d'entraîneur. Tout d'un coup, tu récupères des poulains ou des chevaux, les gars, ils t'ont vu gagner des groupes, ils tiennent, voilà. Ça fait 4 mois que tu es installé, comment tu as trouvé tes premiers propriétaires? Comment je les ai trouvés? Pour l'instant, j'en ai pas eu beaucoup. Ils ont pas été embêtants, c'est déjà ça. Comment Franck Boismartel déjà, c'était le premier qui a commencé à m'en mettre deux. Hein, j'avais travaillé 3 mois là-bas, en attendant de m'installer, quoi. Et puis, du coup, il m'a mis ces deux chevaux là parce que sûrement un manque de place aussi pour lui. Et puis, pour me lancer aussi un peu, quoi. Donc voilà, non, ça s'est bien passé, je les ai eu pendant un mois. Après, j'en ai eu que... D'autres sont venus, Gilles Delacour m'en avait mis un. Un petit cheval qu'il fallait requalifier et puis qui avait des allures pour aller monter. Et puis bon, j'ai couru 2 coups et puis même en le requalifiant, on n'avait pas fait gaffe. Il a été 45 jours à pied, donc celui-là, ça a été fini aussi. J'en ai 2-3 propriétaires qui me font plaisir, qui m'en mettent, mais ça se passe bien. Non, c'est des gens de connaissance, donc c'est tout de suite plus facile, quoi. Pourquoi tu as choisi Grosbois pour débuter? Est-ce que c'est d'avoir des infrastructures déjà fonctionnelles d'entrée de jeu qui a pesé dans la balance? Ouais, de toute façon, Grosbois, c'est le top. Hein. Pour nous, c'est du pain béni. Le matin, on n'a plus qu'à atteler et puis c'est parti, quoi. Pas besoin de s'occuper des pistes. Elles sont toujours bonnes. C'est bien, même pour améliorer les chevaux. Et puis aussi, surtout, parce que ça fait presque 7 ans que j'y travaille et puis j'ai mes repères. Je m'y plais bien ici. Et on voit vraiment l'évolution des chevaux, c'est incroyable. Hein. Pour moi, c'est en plus plus facile, quoi. Pour se lancer, ça permet, c'est un bon tremplin, quoi. Il allait bien en ligne droite, car on a à la bord du virage, il se reprend un peu, mais il est malin. Après, condition course, il se motive un peu plus. Ça va aller quand même pour dimanche. Ouais, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas. Allez. Avec ça met des hauts alors dimanche, c'est le jour J. Bah ouais, c'est une course visée depuis un petit moment, j'avais vu celle-là. Le cheval a... Il a bien travaillé, il m'a fait une faute aux abords du tournant parce que il est nonchalant, et il fait tout le temps un peu. Et pour toi de la caméra toi. Mais c'est bien, franchement le cheval il est bien, il est en condition. On va l'équiper un petit peu autrement là-bas. On va lui mettre un bonnet fermé, tout ça, déferrer derrière, il aura plus de poids devant. J'espère que ça va aller, hein, c'est jamais fait, hein, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Pour les jeunes qui nous écoutent, ça fait que 4 mois que tu es installé, mais les premières difficultés que tu as rencontrées, le premier jour que tu es rentré dans la cour, que tu as dit allez, j'attelle mon premier cheval, ça t'a pas fait bizarre de te retrouver face à ton boulot? Ouais, c'est sûr. Au début, tu es même un peu perdu, quoi. C'est à la fois bien, c'est une liberté, tu fais ce que tu veux quand tu veux, mais
quand tu es tout seul, tu te rends compte en fait que ben, c'est à toi de tout gérer et puis tu te laisses vite déborder par le temps. Moi, j'ai travaillé 5 ans et demi chez Jean-Luc, tu arrives, le tableau est fait, tout est organisé, enfin, c'était fonctionnel. Ben, quand tu es tout seul, t'es un peu perdu et puis le moindre petit truc, ben, hop, tout d'un coup, il y a un cheval qui s'est soulevé un fer, ben, hop, tu repères du temps et machin, d'un coup, il y a l'autre qui t'appelle pour faire quoi que ce soit, il y a ton pote, il t'appelle, bah ouais, j'ai pas au chocolat, on va boire un café. Alors, là, tu veux pas le contrarier, tu vas boire un café. Enfin, non, non, en rigolant, mais plus perdu. Et puis ben, là, ça y est, je commence à trouver mes repères. Mais tu te rends compte qu'il faut pas lâcher. Hein, t'as ta matinée, t'as intérêt de l'organiser. Et puis tu essayes d'enchaîner parce que tu te laisses déborder par le temps vite fait. Alors, quand tu arrives dans ta cour, les premiers éléments que tu cherches à voir, c'est des sulkys, c'est un petit camion. Enfin, quels ont été les premiers éléments physiques, on va dire, qui t'a fallu? Bah ouais, voilà, le camion, ça faisait un petit moment que je cherchais. Et puis j'ai eu la bonne occasion. Il y avait bah, mon maître d'apprentissage, il cherchait à vendre son camion. Allez hop, d'occasion. Donc comme ça, moi, pour moi, c'était une bonne opportunité. Il y a tout ça, il y a les sulkys, bah pareil, je remercie Franck Boismartel. La première course que j'ai courue pour moi, ça a été son sulky, il me l'a prêté. C'est des gens, ils sont de bons conseils, ils te donnent un coup de pouce, ils sont là pour t'aider, donc ça fait plaisir, quoi. Heureusement, quelque part, qu'ils sont là, on demande toujours conseil, on commence, hein, on a besoin de ça. Hein. Non, non, ouais, voilà, c'est tout ça, tout le matériel et tout, c'est un investissement, mais. Bon, on avait prévu ça, hein, avant de commencer, mais et puis voilà. Et puis bon, après, on n'a plus qu'à espérer gagner des courses pour rembourser tout ça, quoi. Mais bon, c'est bien, ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alexis Garando d'ici à la fin de l'année? Eh ben, qui continue à faire ce métier-là, que ça se passe bien, qu'on gagne des courses. Après, essayer d'augmenter l'effectif petit à petit et puis trouver des chevaux qui tiennent la route, aller aux courses, bon bah sans gagner à chaque fois, mais au moins ramener de l'argent et puis pas être dans le rouge surtout, essayer d'arriver à bien stagner et puis continuer comme ça, quoi. Même que ce soit entraîneur ou même jockey, continuer à monter pour l'extérieur, ça surtout. See you again.